Que le spectacle commence! Bonjour tout le monde et bienvenue dans les vidéos, dans les replays de Balrog. Aujourd'hui ça va être une vidéo en RAM 2, char moyen de tier 5 premium américain. Char qu'on m'a offert, merci à celui qui m'a offert, c'est super sympa. Et un char que j'apprécie pas mal, qui est franchement sympa. Donc je suis dans cette partie en peloton avec Padbest qui lui aussi a un RAM 2 et Laurent qui est avec son KV1. Mais on va pas trop jouer en peloton. Laurent et Padbest vont jouer ensemble alors que je, en début de partie, je m'extasie devant le beau camouflage couleur chocolat et caramel de Nounours. Et on va un peu tourner dans la base au départ pour se décider à que faire. Vu la répartition de l'équipe, souvent on attend aussi en début de partie de voir un peu comment se répartit l'équipe. Petite tape amicale de Nounours. Souvent on regarde comment se répartit l'équipe avant de se décider. Là en l'occurrence, Laurent va aller dans les dunes avec son KV1 et moi je décide d'aller à la colline. Aider le Stug qui est avec moi. Non, le Herzer, pardon, qui est avec moi. Padbest va essayer d'appuyer Laurent. Il va pas faire le meilleur choix qui soit, vu que vous verrez à la fin de la partie, il a pas fait énormément. Mais bon, ça arrive, hein. Des fois on fait les mauvais choix tactiques. Et là en l'occurrence, c'est moi qui avais fait le bon choix tactique et lui qui avait fait le. Pas terrible, on va dire. S'il était pas c'était pas le mauvais choix non plus, vu qu'il va finir en vie, me semble-t-il. Mais on va voir tout ça. Allez, pour l'instant, je grimpe. Avec le Herzer, on n'est que deux. Du coup, ça va pas être très facile. Ça dépend ce qui nous tombe dessus. On grimpe. Un scout qui est spoté derrière nous. Je le vois. Du coup, je recule immédiatement pour essayer de voir si je peux pas lui mettre une dose. Mais non, il est derrière une butte. Et en plus, un T92 vient de le pulvériser. Donc, oui, non. C'était un geste inutile de ma part. Je grimpe pour essayer d'aller rejoindre le Herzer. Et quelqu'un... Aïe! Un Panzer a été spoté sur le côté, m'a tiré sur le côté. Tout de suite, je fais demi-tour pour lui présenter l'avant du char. Le RAM a quand même une armure satisfaisante à l'avant, on va dire. Il réussit à faire ricocher des tirs. Je mets une première dose. Je me rends pas tout de suite compte que mon râtelier a été touché. Voilà, je viens d'utiliser le kit de réparation pour le réparer. Le RAM 2 n'a pas un gros alpha, donc un gros. Il fait pas beaucoup de dégâts par tir. Par contre, il a une cadence de fou. Et c'est vraiment sa cadence qui est intéressante. Quand on joue en peloton, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que vous mettez des doses à la minute. Vous avez un DPM dégâts par minute qui est quand même assez important. Surtout si vous êtes deux RAM à tirer en même temps. C'est vraiment la force. Si vous jouez des rames en peloton, faut rester groupir. Là en l'occurrence on l'a pas fait avec pas de best, mais c'est ce qu'on essaye de faire généralement. Le Stug qui est en face, le Stug G qui est en face, qui m'embête. J'essaye de le descendre. Voilà, un de mes copains l'a eu. Le Panzer qui est juste en face, je décide de lui foncer dessus vu qu'il n'arrive pas à me pénétrer la face avant. Allez, crève! Voilà. Ça, c'est fait. Le petit M6A1, je crois que c'est ça, ou M8A1, qui était en train d'embêter mon copain. Je le prends par le côté. Et boum! Voilà. C'est pas solide, ça. C'est du carton. Vous pouvez foncer dedans, il n'y a pas de problème. Surtout avec le RAM qui est quand même... un bébé M6, on va dire, un bébé T1 Heavy, je sais pas, mais il est quand même assez
lourd, massif, on va dire. Il est trapu, mais il est, enfin, massif, lourd, faut pas exagérer non plus. C'est un médium, mais par rapport à un M8 comme celui sur lequel je viens de foncer, franchement, il n'y a pas photo. Vous pouvez foncer dedans sans problème. Par contre, évitez de foncer, de faire le bélier dans des chars plus lourds que vous, ça sert à rien. Vous allez perdre plus de vie que lui ne va en perdre. Faites-le sur des chars de votre niveau ou plus petits que vous. Enfin, sur les chars plus gros, n'essayez même pas. C'est vous qui allez y rester. Alors, je file vers leur base. On a nettoyé avec mon pote, on a nettoyé la colline. Aïe, 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 un Wolverine. J'ai mis une première dose. Et heureusement, le Herzer était juste derrière moi et a pu me couvrir. Par contre, j'avais la chenille qui était cassée. Réparation, hein, compétence réparation qui me permet de repartir aussi vite. Et tout de suite, je pars en me disant qu'il y a peut-être de l'artillerie, mais non, l'artillerie a sauté depuis pas mal de temps déjà. Il n'en reste plus beaucoup, il faut grappiller quelques points encore. J'essaye de m'approcher de la base pour voir ce qu'il y a à la base, pour essayer de spotter éventuellement quelqu'un à la base. Il y en a deux qui sont dans la campagne face à Laurent. Qui est avec son KV1. Je m'approche. Ninja, personne nous a vu. Et un DW2 qui est en face, un char lourd allemand de tier 4 me semble-t-il. Voilà, je commence à l'arroser. C'est là qu'on voit que le RAM a quand même une cadence de fou, vu le nombre d'obus qu'il tire à la minute. Je décide dans un premier temps de me reculer. Finalement, je me dis, allez, on peut le faire, c'est qu'un 4. Il y a peut-être moyen, je donne un peu d'angle au char pour éventuellement faire ricocher un tir. Je mets une première dose. Je vais redire, lui met une dose et je le finis. Voilà. Nickel. Bah, il ne reste plus que deux Japonais, les Shinukai. On va aller les chercher. Pas de cap aujourd'hui. Shinukai, ils vont y passer. Sinon, mais oh. Saleté de Yap. En fait, j'aurais dû rester dans le cap, voilà, parce que je suis même pas sorti de la base que tout le monde a été UF. Tout le monde a été eu et on gagne. Donc victoire satisfaisante puisque je fais un insigne de maîtrise classe 1 avec cette partie avec 1230 d'XP, 1121 de dégâts, je suis premier par dégâts et par XP. Et je rapporte, vu que c'est un char premium qui rapporte, qui est quand même rentable, hein, on gagne quand même pas mal de sous, c'est pas des 100 000, mais bon, on gagne pas mal de sous quand même régulièrement avec ce char. Et donc là, je rapporte 39 753 avec le premium et 24 709 sans le premium. Toujours un avantage d'avoir un compte premium. Donc voilà, on va conclure pour cette vidéo. Je vais juste vous dire que vous pouvez toujours vous abonner si vous avez aimé. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne. Et puis sur ce, ben ciao ciao!